Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la continuité du Let's Play de Rayman Revolution sur PS2. On est parti, plus connu sous le nom de Rayman 2 The Great Escape. Bon, je vais pas à chaque fois recommencer ici, mais c'est que là j'ai quelque chose de spécial à faire, c'est de mettre la musique un peu moins fort, hein, parce que j'ai remarqué que la musique empiétait trop sur les voix des personnages. Je sais pas, on va peut-être mettre comme ça. Bon allez, on va valider. Même si d'un côté je me dis la VF n'est pas terrible, donc finalement c'est pas une si bonne idée que ça de faire ça. Mais bon, c'est pas grave. Alors toujours les petits temps de chargement. Alors ça c'est le point faible de la PlayStation 2 de toute façon. Faut le dire. Sony à l'époque, c'était chargement land. Avec la PlayStation 1 et la 2. Ouais, beaucoup de temps de chargement. Donc maintenant je sais où est la prairie de la fée clochette là. Ah purée, qu'est-ce que... Ah, j'ai un problème avec la manette. Ça commence bien. La clé à air de la fée. Ma manette de PlayStation 2, elle a 10 ans, donc elle commence un peu à souffrir. Les sticks sont pas tip-top. Non, j'ai pas envie de sauvegarder. Je vais pas sauvegarder toutes les 2 secondes. Donc voilà. Et maintenant, on se retrouve sur le deuxième niveau de Rayman 2, en fait. Voilà. Donc là c'est un niveau repris de la version PC, voilà. Qui est sur toutes les versions. Pour moi Rayman 2 c'est un jeu PC, c'est pas un jeu N64. Hein. D'ailleurs je l'ai appris assez tardivement qu'il est sorti aussi sur N64. Mais bon, pour moi ça reste toujours un jeu PC, voilà. C'est comme pour Resident Evil 4, la première fois il est sorti sur GameCube. Donc c'est un jeu GameCube, c'est pas parce qu'il est sorti sur PS2 et d'autres consoles par la suite avec les versions HD qui sont complètement nazes parce qu'en fait on voit aucune différence. Un petit lissage HD, attention. Mais en fait il y a aucun changement. Vive Capcom. Voilà. Capcom et leur remake à 2 balles. C'est un peu comme le Resident Evil 1 qu'ils ont fait il y a pas longtemps là sur toutes les consoles de nouvelle génération. PS4, Xbox One et je crois PC, oui. C'est un peu n'importe quoi. Ils se la jouent remake, hein, Capcom depuis bien longtemps. Enfin, bon, je suis un peu parti en nawak. Comme vous pouvez voir, j'ai activé un magnifique interrupteur immense, tellement immense qu'on est obligé de le voir. Pour moi, ce niveau, c'est vraiment le premier mais vrai niveau, puisque avant c'était plutôt le centre d'entraînement, on va dire. C'est plutôt là où on s'entraîne. Et le niveau d'entraînement. Là, c'est le véritable premier niveau. Même si, bon, c'est le deuxième niveau d'un côté. Voilà, on va descendre, on va avoir une petite phase de toboggan. Je mettrai le son assez fort pour vous aussi, pour les musiques. Parce que, franchement, elles valent vraiment le coup d'être écoutées, voilà. Parce que bon, c'est... Moi encore, j'avais la version DS. Enfin, j'ai toujours la version DS. Comment des flics ? Bon, qui a mal vieilli, mais c'est pas grave. Version DS qui... franchement, les thèmes musicaux sont de très bonne qualité. Même si c'est que du son MIDI, c'est quand même quelque chose. Même si on sent que la DS peut faire mieux, quand même. Et voilà, c'est... Le son, c'est vraiment le son de la N64 quoi qu'ils ont repris. À la va-vite. Pas les en vouloir parce que Capcom, ils font beaucoup plus. Dans ce genre de conneries.
Enfin, je crois que j'ai loupé pas mal de bonus, mais c'est pas grave. Alors qu'on voit une magnifique chauve-souris en chargement. Je sais plus s'il y a une cutscene là. Ah, encore sauvegarder? Non, on va pas sauvegarder toutes les 2 secondes. C'est pas possible. Surtout que les sauvegardes, ça prend 10 secondes. Ou 20 même. On est sur PS2, hein. Ah, ça me manque déjà la GameCube là. Ah, s'il y avait un remake sur GameCube de Rayman 2, j'aurais tout de suite acheté la version GameCube. Bon, il arrête pas d'esquiver. Surtout qu'elle fait presque aucun bruit par rapport à la PS2. Ah, le Pro N qui parle en moi. Pro Nintendo toujours. Ah, une petite phase de... Petite phase de toboggan. Je sais pas trop comment appeler ça autrement. Attention aux piranhas. Piranhas qui sont franchement bien modélisés. Ils ont fait des efforts dans cette version PS2. Qui est encore une fois la meilleure version. Dommage qu'elle ait des temps de chargement. Alors, si vous voulez aucun temps de chargement, prenez la version PC ou N64. Hein. Dreamcast, j'en sais rien du tout. Purée! Mais bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une Dreamcast. Hein. C'est un espèce de trophée le truc. C'est très rare. Et cher aussi. Enfin, je pense. Enfin. Je crois que on est plus riche en achetant une Xbox One qu'une Dreamcast. Le prix est tellement abusé. Alors là, je pense qu'il va y avoir une cutscene avec un pirate. Un beau gosse de pirate. Pirate métallique. Alors là, ça nous spoil un peu le temps de chargement. Parce qu'on va chevaucher ces petits machins là, les petites fusées. Je sais pas comment appeler ça. Alors, enfin, c'est une cutscene de 2 secondes. Hein. Ça montre juste qu'il y a un pirate au-dessus qui nous balarde des bombes. Et là, il y a déjà une petite énigme. Pas bien folichon, mais c'est quand même la première énigme. À l'époque, j'étais bloqué ici. En même temps, j'étais un peu con. Ça a peut-être pas trop changé. Ah, la fameuse phase avec les tonneaux. Ah, j'avais ragé à l'époque, hein, sur DS. Surtout avec... la croix directionnelle, quoi, c'était ignoble. Là, moi, avec un magnifique stick, c'est tranquille. Oh, d'accord. Je vise très bien. Bon, franchement, on s'y habitue à la maniabilité. C'est vrai que quand on joue à des jeux plutôt récents, je sais pas moi, Super Mario 3D World, voilà, des jeux de plateforme 3D récents, c'est sûr que là, quand on revient sur Rayman 2, c'est vrai que ça a vieilli un niveau jouabilité. On ressent direct que c'est plus compliqué de déplacer le personnage. Mais bon, là on s'y habitue et franchement, bah, je pense pas que je vais trop fail dans cette vidéo. J'espère. Ah, ce qui était assez comique aussi dans le jeu, c'est qu'on pouvait voir des fois des ennemis qui sont endormis. Aïe. Les gardiens, quand t'es gardien, tu restes toujours au même endroit et donc au bout d'un moment tu t'emmerdes et tu t'endors. On monte en haut. Encore là, ça, je vais pas être paumé parce que voilà, c'est un niveau que je connais très bien. Ou très bien. Assez bien.
Alors on va faire gaffe à ça. On va pouvoir monter. Là il va y avoir le fameux ennemi. Normalement c'est un ennemi violet. Ah, il y a encore un ennemi vert. Normalement c'est un ennemi plus coriace qu'on va combattre après là. En tout cas dans la version DS, dans cette version PS2, je pense que oui aussi. On va descendre les marches. Alors vous voyez, c'est vraiment au niveau du level design, c'est assez original. Voilà, c'est un nouvel ennemi. Attention, il est d'une autre couleur, ça a tout changé. Mais ce qui est bien dans cette version PS2, c'est que bah il y a plus d'ennemis, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, il y a les ennemis, il y a les robots verts, c'est une nouveauté. J'ai l'impression que c'est une nouveauté, ouais. Et bien sûr, les skins sont améliorés. C'est quand même mieux réalisé, les ennemis. Mais bon, c'est la PS2, ça rigole pas, là. On est en 2000. Voilà. Alors maintenant, on descend. Et c'est par ici que ça se passe, voilà, la suite. C'est vraiment la première fois que je l'ai fait sur DS, ce jeu-là. C'est que bah, je trouvais que c'était une claque graphique incroyable, parce que je me disais, putain, mais c'est la première fois que je joue un jeu en 3D sur une console portable. Je me disais, purée, cette nouvelle console portable de Nintendo, elle arrache tout. Et c'est peu de temps après que j'ai vu que mon cousin avait une PSP, et là, j'ai plutôt fermé ma gueule. Je crois que c'est un peu plus bluffant, une PSP. Ah, les rayons font beaucoup penser aux rayons de Beyond Good and Evil, si vous avez pas fait gaffe. Purée. Ah, vu que c'est Ubisoft, hein, ils ont repris à peu près les mêmes mécanismes dans Beyond Good and Evil. C'est intéressant de voir ça. Là par contre, ça c'est un endroit complètement inédit de la version PS2. Je me souviens pas d'être ici. D'être allé ici sur DS. Hein. Non, ça se passait dehors sur DS. Pareil pour les autres versions, je pense. Enfin, Dreamcast, j'en sais rien du tout. Mais voilà. J'arrive pas à descendre. Il veut toujours s'accrocher. Ah oui, d'accord. Parce qu'elle est juste en dessous et je me suis fait électrocuter. Je sais pas si on peut descendre là-dessus. Ah si. J'avais cru que c'était de l'eau empoisonnée, une mélasse de liquide verte, mais non, en fait c'est juste l'herbe. Ça, 3 sur 10. Alors, si on peut regarder, bon, il n'y a pas, mince, il n'y a pas grand chose, hein. Derrière cette grille, derrière cette fenêtre. Ok, je vais détruire la machine. Ah, j'ai l'impression que c'est mieux avec le son de la musique un peu moins fort. Il y a pour bien entendre les voix, les magnifiques voix. Purée, mais pourquoi il a balancé direct? Ah. J'ai fait carré sans faire exprès, en fait. Et puis là, c'est aussi une phase très connue du jeu. Faut balancer, faut détruire la machine avec les tonneaux explosifs. Ah, c'est pas des barrières explosives, c'est des tonneaux explosifs, là. Attention. Et en même temps, il y a des bombes qui nous foncent dessus. Quelle esquive! Enfin bon, même si là j'ai l'impression qu'ils ont facilité le truc, puisque sur DS c'était bien plus dur. Il y avait des bombes toutes les deux secondes. Là, il y en a presque jamais, quoi. On n'est pas trop harcelé. Voilà. J'espère que ça va pas être tout le temps comme ça dans la version PS2, que ce sera plus simple. Bon. J'espère que non.
Je me souviens que de base, ouais, le jeu est quand même assez chaud. Ce n'est pas un jeu facile. Un peu comme Rayman 3 aussi, c'est pas si évident. Même si Rayman 3 est quand même plus simple. Et voilà, la force de cet opus, c'est surtout voilà, les thèmes musicaux qui sont bluffants. Ah, et puis ce fameux jingle quand on finit un peu à la Zelda, quand on déverrouille une énigme. Bon, je laisse la cutscene. Que je le retrouve et que je chasse les pirates. Mais pour cela, j'ai besoin de mes pouvoirs. Je suis trop faible pour te rendre toute ta puissance. Les pirates ont brisé le cœur du monde en 1000 looms. Et l'énergie est devenue très difficile à réunir. Mais il y a peut-être une autre solution. As-tu entendu parler de Polucus? Non. Il est l'esprit du monde. Mais une légende raconte qu'on peut le faire revenir en réunissant les quatre masques. Les quatre masques? Il s'agit de masques magiques très puissants. Ils sont cachés dans des lieux secrets et mystérieux. Trouve-les, Rayman. C'est notre dernière chance. Afin de t'aider, voici toute l'énergie que j'ai pu réunir. Et voilà, avec une musique fort sympathique en fond. Et ce qui était vraiment impressionnant sur DS, c'est que bah oui, les thèmes musicaux, ils faisaient carrément penser bah qu'on jouait sur un jeu mais en grand écran. J'ai l'impression d'être complètement happé par cet univers. C'est féerique. Là, on peut maintenant voilà, s'accrocher sur ces anneaux. Bien sûr, c'est les mêmes pouvoirs que Rayman 1. Voilà. Un petit passage à gauche. Ça sert pas à grand chose. Et on retrouve les mêmes pouvoirs, hein, je vais pas parler de l'hélicoptère, voilà. Qu'on a assez tardivement dans Rayman 1 que là on l'a dès le départ, dans ce deuxième opus. Par contre, je sais pas pour les temps de chargement, mais à chaque fois le game capture là, le boîtier d'acquisition plante à moitié. Je sais pas si ça fait ça aussi sur la vidéo. J'espère que non. Parce que l'image saute. Pendant les temps de chargement. On va se faire cet ennemi. Ah, c'est bizarre, il a pas beaucoup de vie. Pourtant c'était un ennemi violet, hein. C'était normalement il était costaud. Il balance des rayons magiques plus puissants et plus gros. Là, c'est un niveau assez intéressant, hein. Vertical. Scrolling vertical. Je fais n'importe quoi. Mais heureusement, vous voyez quand même que le jeu n'est pas difficile. Mais bon, on est qu'au début. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Il y a pas mal de bugs graphiques par contre là.
Je me souvenais pas sur DS s'il y avait des bugs graphiques. En descendant ici. Ça c'est, je pense que c'est des lumes pour les points de contrôle. Oui, je vois ces courants d'air, il faut faire l'hélico. On s'en fout de toi, Murphy. Tu sers à rien. Tu sers à quelque chose que dans Rayman 3. Avec tes super blagues. Oui, j'envisage peut-être de faire, même sûrement, un let's play sur Rayman 3. Il m'en faudrait déjà que je termine le let's play Rayman 1. Ça serait déjà bien. On va pas faire tous les Rayman suivants sans faire le 1 en entier. Ce serait un peu con. Il faudrait que je m'y remette au let's play de Rayman 1 puisqu'on est rendu qu'à la partie 6. Il y en a pas beaucoup qui suivent. Hein. Bon, je pense que ça, c'est pas très grave. Ah purée, mais je suis touché par quoi? Il y a un ennemi qui me tire dessus. Moi, je me suis viandé. Allez, le sprint, est-ce que je peux réussir? Oui. C'est quand même juste. Hein. Le sprint de l'hélico. Donc oui, voilà, ce qui est fou dans ce jeu, c'est que on est complètement happé dans l'univers et on sait même plus qu'on joue sur une console portable, quoi. C'est ça qui est fou, dans la version DS, bien sûr. On a l'impression de jouer sur le canapé, tranquille, sur grand écran. Alors qu'en vérité, on joue sur une petite DS, que... Ouais, c'est surtout ça qui m'avait quand même bluffé sur ce jeu, c'est la magie qui nous happe complètement. Puis en le refaisant avec vous, franchement, ça fait plaisir. C'est un jeu qui, je pense, qui vieillira peut-être par son gameplay, mais et puis bien sûr aussi par ses graphismes, mais franchement... On peut le faire même 10 ans après. Quoi. Les pirates ont capturé plein de petits êtres. Libère-les. Bon, par contre, je préférais un peu plus les petits bruitages de la version DS que des vraies voix là. Chaque fois que tu en délivreras un, il t'amènera à un cercle petits êtres. De ce cercle, tu pourras retourner dans un monde que tu as déjà visité en passant par une. Alors, en fait, j'ai regardé. Ah mais non, je crois que ouais, j'avais déjà filmé. On avait regardé ensemble à quoi servaient exactement les mums jaunes, bien sûr. On va pouvoir peut-être gagner un level niveau compétence. Hein. Passant par une porte magique en forme de spirale. Ok. Ah, je me souviens, il fallait l'attendre et qu'il fasse son espèce de magie espace-temps là. Ah, il fallait aussi faire la petite danse. Ah purée, j'ai pas écouté. Je sais pas si Rayman il a fait son petit bruit de coq. J'aimais bien ce petit chant là quand il faisait sa danse. Non, je le fais mal. 57 sur 80, mais c'est nul. Accès refusé. Je comprends pas. Pourquoi accès refusé? Ah, peut-être pour un level, un niveau bonus. Peut-être. Nous ne savons rien. Donc là, on va sauvegarder cette fois-ci. Hein. Par contre, je trouve qu'il nous demande trop de sauvegarder. J'arrive où on est déjà à 7%. Ah, ou c'est toujours 1%. Bah, je sais pas. Je sais pas trop si c'est un 7 ou un 1.
Ils auraient dû faire le trait au milieu. Ah voilà, ils font leur petite danse. Il m'a dit de t'aider à trouver les quatre masques. Je sais que le premier se trouve dans le temple de l'île perdue. Seul Blizzy peut t'emmener là-bas, mais les pirates l'ont capturé. Il est enfermé dans le bayou, tout près des marécages. Ah ok, faut aller au marécage. Ah oui, c'est le niveau en ski nautique. Franchement, mais qui ne se rappelle pas de ce niveau? Personne. Le lac clair de la fée, ah oui, c'est sympa, au moins on peut sélectionner les niveaux direct ici après, quand on les a finis. Bien sûr, ça va rendre le jeu plus linéaire alors. Mais bon, c'est bien. Ne plus se faire chier à aller je sais pas où pour trouver le niveau à refaire. J'en sais rien si c'est là, mais bon, on y va. C'est là où Rufus, ou je sais pas qui, là, comment il s'appelle, là, le gros balourd, là, il a défoncé un ennemi. On va pas sauvegarder encore une fois. Plaine de l'Est. Non, c'est pas ici. On était déjà allé ici. Faut aller plus tard. Il y a un gros ralentissement. Attention. Il y a 5 ennemis affichés à l'écran. Attention. Bon. Raman est effrayé. Il est effrayé par tant de chargements. Et donc, je ne sais pas où est le marécage, quoique. Ah si, il faut aller à peu près au même endroit. Par là-bas. Voilà, le marécage. Il faut aller à la plaine. La magnifique plaine. Magnifique voix du petit Globox. La clairière de la fée. Je crois que c'est là-bas le marécage. Parce que oui, j'ai fait un peu ma petite ronde. J'ai un peu regardé. Voilà, c'est par là. J'ai un peu visité, on va dire. Juste après la partie 1. Même si j'ai déjà fait aussi au tout début. Avant de faire les parties. Alors, faut pas tomber parce que c'est un marécage. On sait tous que les marécages, c'est dégueulasse. Ouais. Bah là, ça nous montre voilà, le ski nautique avec le serpent des mers. Le serpent des poubelles. Et j'ai nommé... je sais plus son nom. Et c'est également ici qu'on pourra aller à un autre niveau. Devant un sorcier maléfique qui s'appelle je sais plus son nom non plus. C'est... mais bon, on se souvient de ce genre de choses. Ah, c'est quand on lui rapporte son sceptre ou je sais plus trop quoi. Ok, pourquoi il se passe rien? I don't complain de l'eau. Ouais. Cet accent magnifique. Purée. I don't understand. Ou peut-être sauver le serpent qui est je sais pas où. Ah non, fallait juste taper sur la... Oui, je m'en souviens en fait. Comment te remercier? Ah, laisse tomber, Sam. C'est que c'est bon, c'est sans sens. Dis, tu sais où se trouvent les quatre masques de Polocus? Oh, désolé, Rayman. J'ignore de quoi tu veux parler. Par contre, j'ai vu Globox se faire arrêter par deux pirates.
Ils l'ont emmené quelque part, au-delà des marais. Si tu veux, je peux t'aider à rejoindre le pire sur mon foulard pour t'y accrocher ensuite. Presse la touche croix pour monter. Allez, on y va. Je me souviens que cette phase était assez chaude. Donc, faut s'y attendre hein, si je me plante plein de fois. Voilà, on défonce ça. Et en plus, je me souviens, la musique était pas mal. Elle était assez rythmée. Ah purée, pas possible. Il me reste pas tant de vie que ça. Ah purée, j'arrive pas à monter dessus. Oh là, mais c'est pas possible d'esquiver ces fantômes. Ils sont énormes. Dans Rayman 3, ils sont 10 fois plus petits. Enfin, 2 fois plus petits. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Faut pas trop étirer le fil magique, là. Putain, j'ai eu de la chance. C'est la concentration, là, donc je vais pas beaucoup parler. Voilà, purée, j'ai pas eu la cage. Ouais, ça va être chaud d'avoir toutes les cages. Hein. À quoi que il repasse. Je sais pas pourquoi. Ah, faut peut-être faire quelque chose. Ah, faut peut-être avoir toutes les cages. J'ai loupé les cages. Là, ça va être la deuxième phase. Enfin, si cette version PS2 est pareille. Non. Allez, c'est parti. Là, je me souviens, c'était là que c'était vraiment dur. Là, faut se concentrer. Faut pas faire n'importe quoi. Comme là. Purée, il y a des bombes. Purée, c'est pas possible. Bon, heureusement, on respawn à chaque fois, mais... Je crois que quand on a plus de vie, c'est la catastrophe quoi. Quoique. Non, sur DS, non, on restait quand même en point de passage, donc je sais pas si ça va être pareil aussi ici. En point de passage, je veux dire. Purée! J'ai de la chance. Par contre, c'est une nouveauté les monstres géants là qui pop. Ou qui foncent là, voilà. C'est une nouveauté de la version PS2 ou quoi? Je me souviens pas de ça. En tout cas, c'est plutôt sympathique. Et nous avons réussi, mais... Ah, il y a un petit moment de tristesse. Hein. Deux secondes après, il dit bon, faut pas traîner. Ok. Donc, on a déjà fini le niveau. Dans mes souvenirs, ça me semblait plus dur, mais c'est peut-être parce que la magie du stick directionnel, hein, bien sûr. Je me souvenais que j'avais beaucoup de problèmes avec les flèches de la DS. Dans les jeux 3D comme ça, c'est un peu complexe. Attention, vous entrez dans un territoire inconnu. Tourisme déconseillé. Ok, j'ai pas trop entendu sa voix, mais elle a l'air chelou. Mais ouais, voilà, c'est lui, là, l'espèce de sorcier qu'on doit aider. Après, il nous fait un test pour voir si on est apte à avoir l'un des 4 grands trésors, je sais plus comment ça s'appelle.
purée, ce bruitage là, cet aigle là qu'on a entendu, c'est exactement le même bruitage que Rayman 3, c'est ça qui est épique. En fait, il vient de là, l'aigle, hein. Il vient pas de Rayman 3. Bruitage avec l'aigle. Si je me tire dessus. Ok. Je me sens un peu inutile des fois. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de changements quand même dans cette version PS2. Bon, ce qui est quand même fort plaisant. On va faire un remake tout simplement comme ça, avec seulement les graphismes améliorés. Enfin, quoique Capcom, ils sont pas capables de faire ça, donc voilà. C'est... Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai acheté Resident Evil 4 HD, édition collector, je sais pas trop quoi, bidule chouette, enfin la version HD sur PC. Et bien sûr, pas Resident Evil 4 sur PC de tout court. Non, pas cette version qui est ignoble. Voilà. Deux fois plus moche que la version PS2 qui est déjà moins belle que la version GameCube. Donc voilà. Le jeu était presque en noir et blanc, hein. C'était un peu du kikoulol, hein, la version PC. Et donc oui, il y a pas longtemps, il y a eu cette version Resident Evil 4 HD qui est au moins cette fois-ci bien réalisée, voilà. Et c'est en gros la version GameCube mais un peu lissée, voilà, en HD. Et en 60 fps surtout, 60 images par seconde. Ce qui m'a intéressé bien sûr dedans, c'est surtout aussi d'avoir le mode Separate Ways qu'on n'a pas dans la version GameCube. Voilà, c'est surtout pour ça que je l'ai acheté. Ok, on revoit exactement la même cutscene. Mais je sais pas ce qu'il faut faire. Je suis paumé. Ah là, mais c'est qui le patron pour être bloqué tout le temps comme ça? Mais c'est moi. Quoi là-bas? J'aurais vous ces sorciers. Je me rapproche de l'écran, mais c'est vrai que c'est un peu pixelisé, mais j'ai l'impression que c'est le sorcier au loin. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? Ah, mais il y est plus. Ah, si, là. C'est quoi ce bug? Ah oui, c'est le sorcier. Attends, je crois que c'est complètement énorme. En fait, j'ai l'impression que quand on va être dans le niveau du sorcier, là, plus tard dans le jeu, en fait, on va popper par là-bas. Et donc, il y a le sorcier qui est déjà là-bas. Et si on passe par là-bas, et ben on va activer, voilà, la cutscene. Mais bon, je vais pas spoiler, hein, je vais pas dire ce qui se passe. En fait, on voit ici et là-bas. Oui, c'est très logique. En fait, le TP qui est derrière, elle nous TP derrière l'arbre. Bon. Ah, ou je le vois plus. Ah si, j'ai l'impression que c'est ça, hein. C'est assez chelou. J'ai l'impression que j'ai compris quelque chose, hein. Mais bon, ça aide pas trop, hein. Ça aide pas trop pour continuer là. Je suis bloqué comme un con. Bon, bah j'ai l'impression que c'est un bug, hein. Là, à part, y a que ça comme chemin, quoi. Au pire, je quitte, mais on va sauvegarder. Mince. Non. Sauvegarder là-dessus. Il faut 270 kilo-octets pour sauver la partie. Attention, c'est beaucoup. Ah, mais c'est beaucoup pour la Wii U. Ce vieux troll. Bon bah on est à 9%, donc j'ai l'impression quand même que ça va compter quelque chose. Bon, on va charger la partie. On va débugger le jeu. Parce que là je comprends plus rien.
Bon, voilà, on refait la phase. La phase qu'on attend en IB. Avec plein de fails. Quoique, j'ai pas fait tant de fails que ça. Je suis désolé de devoir recommencer le niveau. Mais bon, je vais en avoir le cœur net. D'accord. J'ai foncé sur ses dents crochues et malhonnêtes. Purée, que se passe-t-il? On n'a plus rien, c'est aussi rapide que Sonic. Ah d'accord. Maintenant on se concentre, on fait pas n'importe quoi. J'ai pas envie de perdre toute ma vie. Moi j'ai retrouvé mon pote le serpent, c'est bien. Le seul véritable pote de Rep. Ah parce que lui il s'enfuit pas comme un lâche, comme Globox. Non mais Globox c'est un personnage culte. Là, attention, va bien à gauche pour pas toucher ces magnifiques dents. C'est d'ailleurs bien laver les dents. Oui. Sous Piranha. Là, je me débrouille plutôt pas mal. Hein. Voilà, alors là, on va sauver. Bon, bah, on va passer là. La... On peut pas passer à la cutscene. Promis, je passerai. Tu vas me manquer, mon ami. Toi aussi. Bon, bah faut pas traîner. Beaucoup d'émotions dans le jeu. Bon, on va défoncer cette cage et on va voir où il va passer, notre pote. Parce que je comprends que dalle. Allez, fais ta danse, là. Quoi? Ah, c'est à droite! Oh, purée! En fait, il n'avait pas planté le jeu, c'est juste que je vois rien du tout. On voit rien du tout. Je sais pas si ce que ça va rendre sur la capture, mais... Ah, on voit que dalle sur la télé. Là, je vais récupérer quelques lubes. J'ai l'impression que je les ai tous. Ah non, même pas. Il m'en reste 3. Donc je les ai tous dans la deuxième phase, mais pas dans la première. Hélas. Mais on s'en fout, ça nous empêche pas de continuer. En tout cas, on voit vraiment rien du tout. Ah, il va faire sa petite danse. Sur la version DS, Rayman avait les yeux exorbités, je crois. Accès refusé. Fail. Puis il me restait qu'une cage. Ah là, c'est pas possible. Comment j'ai pu louper cette seule cage? En plus, j'aurais trop pu l'avoir, parce qu'il avait tourné 3 fois, le serpent. Ouais, on va sauvegarder. Non! Mais, c'est pas possible! Je voulais sauvegarder, mais... Je vais pas faire un nouveau fichier. On est déjà à 11%. Comme quoi, c'est pas un jeu si long... C'est pas un jeu extrêmement long. Quoique, ça fait 1 heure, on est à 11%, enfin un peu plus d'une heure de jeu. Alors qu'est-ce qu'il nous dit cette fois-ci? Bon, on n'a pas eu de nouveau pouvoir. Bah oui, mais Bzit, il est où? Il y avait un lieu où il y avait des anneaux. Pour s'accrocher. Je sais pas où c'est. Moi bon, je vais faire select pour voir. Et je crois après on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode qui est plus long. Je vais pas faire des épisodes extrêmement longs, peut-être un petit. Je sais pas, mais extrêmement long comme Star Fox Adventures. On va pas dire que j'ai trop le temps. Plaine de l'Est. On est encore à cette plaine de l'Est hein, qui est partout, hein, décidément. On va prendre quelques lubes, ça, hein, j'en sais rien. Il n'y a pas de chemin par là. Oh,
Ouais, on va les défoncer là, purée, il y a des ennemis violets là, c'est une nouveauté. Il n'y avait pas des ennemis violets ici avant. Ah purée, cette esquive. La caméra qui part en n'importe quoi, en n'importe nawak. Ah, c'est le bourrinage, hein. Si vous n'avez pas remarqué. Ok, il esquive tout le temps. Voilà, on a récupéré un peu de vie. Ah purée. Je vais entrer là-dedans. Et comme par hasard, la porte ne se ferme pas quand je suis dedans. Comme par hasard. Le chronomètre reste figé. On va se faire un peu de lumps et puis voilà. Ah bah attends, le magnifique paysage. En JPEG. Ah, les montagnes font franchement penser à Rayman 1 quand même, pour le coup. Un peu. Avec le mont, je sais plus quoi là. On va voir si la porte est ouverte cette fois-ci. Je pense pas. Non. La caméra fait un peu ce qu'elle veut. Mais bon, bah, on va pas dire qu'elle est naze, hein. Sonic Adventure. Là, la caméra est naze dans Sonic Adventure. Bon, bah, on retourne. On retourne au bercail. On va peut-être acheter quelques améliorations et puis après on va s'arrêter là. Parce que ça fait déjà 52 minutes. C'est un petit peu long. Mais je pense que vous avez l'habitude avec moi. On va pas sauvegarder. Ah, et en fait ça sauvegarde à chaque temps de chargement. Donc vu qu'il y a tout le temps les temps de chargement, ça sauvegarde tout le temps. Ça nous demande tout le temps de sauvegarder. Voilà. Alors c'était où déjà? C'était en dessous. Je me perds un peu, mais voilà, c'était ici. Avec notre pote le petit Z. Tu peux utiliser l'énergie des lumes chaudes pour améliorer tes pouvoirs. Utilise la manette analogique pour faire défiler la liste des... Et bah, il nous l'a déjà dit dans la précédente partie. Il a pris 90, j'ai 126 lumes, donc je peux me permettre. Je peux me faire plaisir. Fun. C'est quoi ça? Ok. C'est quoi ça? C'est course tonneau prix 50. À courir alors qu'on a un tonneau, c'est ça? Bof. C'est pas très intéressant. Accumulation 1. Ça veut dire quoi? Je sais même pas ce que c'est. Rebond 1. Ah, ce que je préfère, c'est cadence de tir, donc je sais pas. J'ai plus envie de garder les lums pour la cadence de tir. Pour avoir une meilleure cadence de tir, parce que je remarque que Rayman là, il est un peu lent. On va partir. Finalement, on va pas améliorer quelque chose. Ça sera dans le prochain niveau. Et je pense que le prochain niveau, c'est quand on va être contre des galions, attention, qui nous ballardent des bombes volantes, si je me souviens bien. Enfin, ici, cette version Rayman Revolution est pareil que la version d'origine. Donc sur ce, je vous dis à l'armure pour de nouvelles aventures et pour la partie 3 de ce jeu cultissime. Rayman 2, The Great Escape.